Salut, on se retrouve encore avec le Lotus pour faire passer un message particulier. Donc la guidance ne pourra pas parler à tout le monde, j'entends ces mots belle-sœur. Donc on va s'attarder sur une femme, j'entends aux cheveux foncés. La belle-sœur en question. Les énergies ne seront pas interchangeables. Donc une femme reste une femme. On parle de cheveux frisés concernant cette belle-sœur. On parle aussi de rêves concernant cette personne, soit un prénom ou un nom, quelque chose d'écrit. J'ai cette idée de catastrophe ou de choc survenu, j'entends à la tête. Alors, soit un choc, voyez, la tête qui a percuté quelque chose, ou alors j'ai cette idée d'AVC, d'anévrisme. Je ressens, voyez, quelqu'un qui peut être très colérique. Voyez, quelqu'un qui peut passer son temps sur les nerfs et possiblement avoir de la tension. Tension, comment on appelle ça? Oui, des problèmes de tension. Je retrouve plus le mot. Je ressens que c'est survenu très récemment là. On demande de reprendre les cartes. C'est survenu très récemment. Alors, peut-être une question de jour. Dans certains cas, j'entends de semaines. On me montre jusqu'à 3 semaines. Concernant ce traumatisme-là, on me montre vraiment quelque chose qui cède, à qui pète. Hein. Alors, je rappelle pour les personnes qui ne sont pas, j'allais dire, à l'aise. Alors, c'est pas folklorique, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, je vous encourage à ne pas regarder la vidéo. Les personnes pour qui on passe le message là, cette personne était complètement réfractaire à votre personne, hein, les femmes là. Voyez, j'ai cette idée d'hostilité de quelqu'un qui ne vous a jamais accueilli. Peut-être que vous n'avez jamais vu cette personne, hein. Mais vous connaissez son existence. J'ai vraiment cette idée, voyez, de maladie ou de quelque chose qui ne va pas sur le plan de la santé, hein, pour cette femme là. Et je ressens une femme qui a des enfants. Peut-être un enfant qui est déjà décédé. Un jeune garçon qui est décédé. Et pour moi, cette femme a un frère. Donc l'homme avec qui vous étiez en relation ou en lien. Et j'ai vraiment cette idée de fête de fin d'année. Voyez comme date entre guillemets. Alors, je suis désolée, mais j'entends salvatrice. Pour certains, mais butoir pour d'autres. Voyez, j'ai vraiment cette idée de saison ou de période froide, hein, avec le feu de cheminée là. C'est drôle parce qu'on me demande de regarder la carte du dessus. La carte du dessus, c'est celle-ci. Et juste en dessous, vous avez la carte du conflit et de la perte. Pour moi, le frère ici s'est éloigné de cette personne, hein, parce que je la ressens isolée, possiblement avec des enfants. Et je ressens, on me dit que cet homme-là est dans une grande ville, hein, j'entendais States. Alors, il est possible que l'homme regarde la guidance avec attention, s'il reconnaît la situation. J'ai cette idée de perte, hein, de quelque chose qui s'éteint sur les prochaines semaines, hein, au prochain mois. On me donne jusqu'à 2 mois là.
On me donne jusqu'à 2 mois, j'entends perte encore en canalisation. Voyez, j'ai cette idée de quelque chose. J'ai cette idée de quelqu'un qui était accroché à quelqu'un ou quelque chose. Et le nœud là va lâcher, hein, l'attache. Pour moi, cette personne, pour moi, cet homme se retrouve seul. Hein. Je reprécise encore qu'il s'agit d'un cas de fratrie et pas de mari et femme. Hein. Pour les personnes qui seraient tentées de me laisser des commentaires dans ce sens. Je rappelle que la guidance, on ne l'adapte pas à sa sauce. Hein. On me montre la pleine lune importante, j'entends aussi premier quartier. Donc peut-être un laps de temps où le désordre en question survient. Dans certains cas, j'ai l'impression que le choc là est déjà arrivé. Dans certains cas, j'ai cette idée où le choc là est déjà arrivé, mais la santé ne s'améliorera pas. On insiste sur la stèle avec la croix ici, là. J'ai l'impression que sur le printemps prochain, on fait table rase de cette situation. Avec ou sans cet homme. Vous voyez, j'ai cette notion de libération pour les personnes qui étaient enchaînées ou qui ont subi des préjudices à cause de cette femme. Et là, la libération, je sens que c'est surtout du côté de la femme. Oui, vous avez la carte de la guérison. Et pour certaines femmes, vraiment indépendamment de l'homme là que je ressens là, j'ai cette idée où ça va vous permettre un nouveau départ sur le plan affectif. Parce que j'ai ressenti ici que certaines femmes y ont laissé des plumes dans ce lien là, avec cette belle-sœur dans le décor. Je rappelle là, que la personne, vous ne l'avez pas forcément connue ou pas vue physiquement. Je ressens la question concernant l'homme là. Est-ce qu'il y a une relation possible? Dans certains cas, oui, mais pas dans tous. Dans tous les cas, on. Dans tous les cas, ça permettra un renouveau à la femme à minima. On insiste quand même sur cet aspect de guérison concernant cette situation. Ben, c'est joli. Alors, je vous montre les cartes à la suite. Donc celle-ci est tombée à part, donc il y aura une rencontre. On insiste encore sur les femmes là, pour qui on passe la guidance. Une autre rencontre ou une autre connexion. Et là, je vais vous montrer le paquet, l'autre paquet qui est moins joli à regarder. Je ne sais pas si vous avez entendu le bus. Première carte. Alors déjà, j'ai cette idée où cette belle-sœur, là, j'entends pratiquer des rituels. Mais comme vous pouvez voir les cartes qui sont assez moches, pour moi, c'était très orienté, voyez, bas astral, magie noire. J'ai cette idée où cette jeune femme a cloué quelqu'un d'autre. Son frère, je ressens un homme. Vous voyez, on me montre quelqu'un crucifié par rapport à l'homme, là, du lien.
J'ai vraiment cette idée d'un homme qui a été enchaîné, enfermé par cette femme. Vous voyez, emprisonné. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu de relation. Il y a eu connexion, mais pas de relation ici, là. Parce qu'on insiste, vous voyez, sur cet aspect un peu goulot d'étranglement, là. Et c'est quelqu'un, c'est une femme qui n'a jamais joué franc jeu, toujours dans le calcul, la manipulation. Vous voyez, quelqu'un qui examine. Quelqu'un qui avait cette capacité à lire peut-être les émotions des personnes et adapter son comportement en fonction. Mais on me montre qu'il n'y avait rien d'authentique ou de sincère chez cette femme. Vous voyez, toujours quelqu'un dans le conflit. J'entends par rapport à des remarques. Alors ça peut être toujours dans la même situation, mais j'ai cette idée de rituel qui ont sonné la fin d'une relation. Ou de rituels qui ont achevé quelqu'un, possiblement la femme. Et on me montre que par rapport à ces rituels, il y aura une libération complète sur le printemps prochain. Je ressens que l'homme ici a, j'entends, a trop peur de vous regarder, trop peur de vous contacter. Trop peur de vous contacter, j'ai cette impression de choses cachées, de trahison, de quelque chose d'assez obscur. Vous voyez, on me montre un tableau qui est entaché. Et j'ai l'impression aussi que certaines femmes ont mis le holà, les femmes pour qui on passe la guidance là, ont mis le holà concernant cette relation qui a été très conflictuelle. Vous voyez, on me montre un homme qui était en résistance de vous. Peut-être quelqu'un qui a passé son temps à vous rejeter. Et là maintenant, ce sont les femmes qui sont dans le rejet de ce lien-là. On me dit qu'on ne fait pas nécessairement de prédictions concernant cette guidance parce qu'il était surtout question d'un éclairage. Éclairage concernant cette belle-sœur. Belle-sœur entre guillemets. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On insiste avant de terminer là sur le chiffre 31, 39, 6 également. J'entends 36 aussi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.